Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un let's play sur One Piece Illimited Curses 1 ou Limited, j'aurais dû dire, c'est pas grave. Le trésor sous les flots. Pour ceux qui savent pas quel jeu ça serait niveau One Piece et tout, et qui, ou alors qui l'ont entendu de nom et tout, niveau gameplay, c'est comme le One Piece Illimited Red, pardon. En plus, je mélange les mots, ça va pas le faire. Voilà, c'est de l'exploration. Il y aura du combat, évidemment. Ce n'est pas du One Piece, hein, ça va pas le faire non plus. Mais par contre, un peu comme Red Red, on va dire, ce ne sera pas comme le One Piece Warrior 1 et 3. Ça ne va pas suivre le scénario du manga pour vous faire le jeu. C'est complètement une histoire inventée. Voilà, c'est inventé de toutes pièces. Et c'est. Voilà. Donc on va partir, on va explorer, on va découvrir peut-être des nouveaux ennemis, des nouvelles îles, ça va bien. Donc voilà, alors sans plus tarder, je vais lancer le jeu et vous laisser la cinématique d'introduction. データをもとにあなた方にふさわしいプレゼントが最後に用意されます。詳しいことはこれを読んでください。
Et voilà comment les enfants, les îles se forment dans les océans. Et là, on a droit à un petit aperçu de l'île. Séparons-nous en deux groupes et partons à la recherche de Luffy. Bonne idée. Mami, Robin, avec moi. Le reste. Objection. Je veux accompagner ces charmantes jeunes filles, moi aussi. Tant que je ne me retrouve pas dans le même groupe que l'autre cuistot débile, tout me va. Ne t'en fais pas, je n'avais aucune intention de t'inviter à rejoindre mon groupe, Duck Dagger. Comment tu m'as appelé? Bon, ça c'est fait du deux. On va faire un groupe avec Frankie, Zoro, Sanji et moi. Et un autre avec Chopper, Usopp, Robin et Brook. Ça vous va? À tes ordres, ma belle. Tout ce que tu voudras. Ah bah évidemment, faut pas se donner Sanji, hein. Ouais, abruti. Ça me va. Eh, minute. Pourquoi tous les meilleurs combattants sont dans ton groupe? Ça paraît nickel, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Allez, à vous tes gars. J'aimerais bien que Zoro ou Sanji nous accompagne. Mais on a Usopp, alors on risque rien. Ne vous éloignez pas de moi, les amis. Qu'est-ce qu'il est mignon, Tupi. Il est trop naïf. Où j'ai atterri? Où est passé ce petit gars? C'est mon équipage. Je suis là, les amis. Ils sont trop lents pour pouvoir m'entendre. Eh ben, je n'ai plus qu'à les rejoindre. Ça va être une chouette petite aventure. Ouais, une chouette petite aventure. Bon, c'est parti, enfin. Je peux jouer et vous pouvez regarder Pepper.
Donc là, on aura droit au tuto. Donc là, il faudrait dire l'arbre dans l'arbre. Donc c'est voilà, c'est les îles. On aura, à chaque fois qu'on arrive sur l'île, on a droit à son petit nom qui apparaît à chaque fois. Donc là, on va regarder. Donc double C pour courir, hein, ça c'est classique. Hein. Je fais exprès prendre un peu mon temps parce que même s'il faudra qu'on explore partout l'île, on pourra pouvoir découvrir un maximum. Ça n'empêche pas de voilà, de regarder partout. Et évidemment. Hein? C'est quoi ces types? Ils ont changé de nulle part. Ah, ils attaquent! Oui, ils attaquent. Donc là, on a le droit au tuto A plus U. Et donc à droite de l'écran, vous voyez des A et des double A. C'est justement la liste de. Ah, allez! Voilà, c'est une liste de combos à faire. Et là, on voit que les ennemis ont changé d'apparence. Hey, ils se sont transformés! Génial! Waouh, ils peuvent changer d'apparence à volonté. Mais je vais quand même les éclater. Voilà, ça va les éclater. Donc voilà, ça dit utilise les coups à droite de l'écran pour déclencher une furie. Là, je vais finir. Et la furie, c'est ça, c'est quand. Ah, c'est pour un court instant, on décuple des coups et les ennemis nous relâchent des objets qu'on aura bien pour la fin, pour faire des trucs plus tard. Et là, ma manette n'a presque plus de batterie et c'est génial. Comme si ça fait que ça tourne au pire moment. Donc j'espère que ça va tenir le temps de la vidéo. Qu'est-ce que c'était ces monstres? Enfin, ils ont leur compte. Maintenant, je dois retrouver mon équipage. Oui, retrouve ton équipage. Bon, voilà. Donc là, oui, il y a des rochers. Donc, des rochers, voilà. On peut pas les casser. Hein. Ça sert à rien pour taper comme ça. Ça ne sert à rien. On aura besoin d'un outil pour pouvoir les casser. Donc voilà. Alors, et là, en bas, là, on a en bleu, la barre en bleu. Le PV, donc la vie du personnage, et en bas le PS, donc comment dire, c'est l'action qu'on peut faire. Par exemple, en courant, on use du PS, en tapant, on faisait des coups spéciaux. Vous voyez, j'ai couru, et je tape, je remonterai en bas tout de suite. Vous voyez, ça dépendra de. On pourra faire des attaques spéciales, ça va user du PS. Et tout. Hey, c'est aussi lui. Hey, les amis! Évidemment, tes amis sont partis entre temps. Maintenant, il faut qu'ils reviennent. Alors, non, faut que je regarde. La prochaine fois, peut-être que je regarderai au cas où. Où on est? Je crois qu'on est complètement perdu. À qui la faute? Tu n'as aucun sens de l'orientation. Mais il a fallu que tu partes en tête. Nami a entièrement raison. Tu devrais implorer notre pardon à genoux. Tu veux que je me mette à genoux pour. Genoux? Je vais partir en vrai là. N'importe quoi, pauvre idiot. Non, sérieusement, gros, se mettre à genoux. Voilà, connard. Hé, hey, attendez, je vois le Sony là-bas. Nous sommes pas allés loin. Si ça se trouve, le fils a déjà retrouvé le Sony. Rentre. Alors, la première personne avec eux, hein, là, c'est comme ça. Voir le coin, là on a l'océan, on a une autre partie de l'île, et là on a le Sony, la berge avec le Sony, là on a une belle vue d'ici, voilà, de l'île. Donc voilà, bref, on va rentrer. Ouais, j'ai Zoro, tranquille. Là on va pareil, on a les mêmes rochers que tout à l'heure, on peut pas casser, même avec des sables, on peut pas casser. Allez, cours. Bon, c'est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de PS et c'est chiant. Quand t'as envie d'aller vite au début, c'est chiant. Hein? Qu'est-ce que c'est, ces drôles de types? Tu n'es pas à la hauteur, cerveau de pas côté. Laisse-moi faire. Alors, évidemment, c'est pas pour rien qu'il dit ça. C'est pour nous dire que on peut changer de personnage. Alors, évidemment, tous ceux qui sont. Bah, qu'on peut pas prendre, c'est tout simplement parce qu'ils bah, sont pas dans le groupe, hein, c'est normal. Donc on va prendre Sanji, vu que Sanji veut y aller, on va le laisser aller. Et voilà. Allez, vas-y, quoi.
vais faire un cours, je vais, je te dis. C'est l'habitude de... Voilà, on a fait le ménage. C'était vraiment pas grand chose. Bon, continuons. Hé, hey, une minute, tu t'imagines vraiment qu'on va te laisser passer devant? Voilà. Je vais ramasser, s'il te plaît. Ah zut. Il y a... Il y a quelqu'un qui s'est... qui s'est envolé, je sais pas comment dire. Hein. Donc voilà, je fais exprès d'aller un peu comme ça. Donc après, évidemment, on peut voir la jauge de vie et la jauge de PC, ça dépend des persos. Il y en a qui ont plus de PC, qui en a qui ont plus de vie. Non, ça dépend des personnages. Alors, ceux qui ont tendance à taper dans le tas, ceux qui ont tendance à taper dans le tas, bah, ils ont plus de vie. Et ceux qui ont, ils sont, je sais pas comment dire, mais ceux qui sont moins combattants, ils ont peut-être un peu plus de PC. Voilà. Vous voyez? Je vous ai ramené à bon port. Quel culot! Oh, tu es si belle quand tu te mets en colère, Nami. Hé, hey, regardez, c'est pas les filles que je vois là-bas. Oh, c'est bien un chapeau de paille. Il s'en est sorti tout seul, alors finalement. Quelle perte de temps, après tout le mal qu'on s'est donné pour le retrouver. Donc voilà, grâce à Zoro, ils ont retrouvé le chemin. Juste sauvegarder, ce qui est bien, c'est vu que j'ai plus de batterie à ma manette, ça s'appelle que... ça coupe et j'ai tout refaire. Mami a réussi à s'accaparer tous les gros bras de l'équipe. Ne comptez pas sur moi en tout cas en cas de danger. Hein. J'ai une peur bleue des monstres et des fantômes. Pas de soucis, je vous protège à tous. Je suis un vrai pirate moi aussi. Merci Chopper. Heureusement qu'on a Chopper ici, hein. Bon voilà, on détient notre fameux bruit. Et ce qui est bien aussi. Comparé aux autres jeux, enfin, les autres jeux que j'ai pu jouer de One Piece, ils ont par exemple la façon de courir par exemple de Brook, ils l'ont gardé. Hein, ouais, quand Brook, ils ont la même façon de courir avec Brook. Par exemple, avec Chopper, on peut remarquer que quand on le fait courir, il le court sur sa forme reine et non pas comme ça, là, courir comme ça. Je trouve franchement que c'est sympa. Donc, tiens, vu que j'ai pris Chopper pour rentrer, je vais là. Hein. Regardez les chauffeurs, hein. Ah, qu'est-ce que c'est ces créatures? Laissez-moi, je vais tous les abattre à distance avec ma fente. Leur Z, c'est juste pour les bloquer. C'est vrai que c'est des types pour le shop, hein. Bon, on doit... Alors, évidemment... Ah, c'est, j'ai droit... Oh, j'ai déjà droit à un nouveau coup. Voilà. Alors, voilà. Bon, par exemple, pour tout ce qui est... Nami, Chopper et Usopp, et ainsi que Brook et Franky, ils ont qu'un combo. Voilà, ils ont que A. Grâce à, bah, au combat que je viens de faire, Chopper a droit à la ruade. Tout le monde va bien? Pas de blessés? Donc voilà. Donc le plus, c'est notre petit. C'est notre start, hein, c'est le start, hein, simplement. Donc là on a droit à la carte, la magnifique carte qui pour l'instant n'a pas relevé à 100%. Mais que vous allez peut-être très souvent me voir regarder cette carte vu que je suis comme Zoro, j'ai un mauvais sens d'orientation, dans les jeux surtout. Voilà, donc ça fait que je vais peut-être souvent regarder la carte pour savoir comment me diriger quelque part. C'est pas très mal. Et donc les objets, voilà, c'est tous les objets qu'on a eu pour l'instant. Et les autres trucs après qui sont qu'on voit et qui sont en point d'interrogation, je vous expliquerai plus tard. Tout simplement. Le chemin a l'air de continuer dans cette direction, mais la voie est bloquée. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas, tu peux? Mon bateau a disparu. Hein? C'est mon bateau. Ah, un démon. Ah, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Attendez, je crois que le texte gravé sur ce monument parle de cette étrange créature. Ah bon?
qu'est-ce qu'il dit? Le test dit que si on lui donne des matériaux indiqués à manger, il peut les convertir. Apparemment, tu es le seul moyen d'ouvrir de nouvelles voies d'exploration. Et c'est vrai. Donc voilà. Alors évidemment, là, ça spoil un petit peu hein, le truc, mais bon. En gros, ça dit que voilà, il faut aller là-dessus. Que sera. Donc voilà. Ça nous demande un objet requis. Donc là, un super minéral transparent. Qui est évident dans le coin, parce que sinon, ce serait pas juste. Hein. Et là, vous n'avez pas assez de PG et pas assez d'objets. Donc dans le A insuffisable, bah, ça demande de convertir les objets qu'on a en points. Donc vous voyez, c'est. C'est le. Bah, on a un PG bleu. Voilà. Ah zut, hein, j'ai pas fini. Et alors, on va prendre ça. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, alors, on a 1 sur 3 en PG bleu. Et là, c'est. Ah, c'est assez, c'est bon. On a assez, donc voilà ce qu'il faut. Mais par contre, il nous faut notre matériel. Il faut le fameux minéral transparent. Qui est par là. Voilà, c'est pas bon de chercher. Qui est par là. Hop. Le coffre contient cristal. Donc évidemment, c'est le transparent. Donc là, je vais pas aller plus loin. J'en irai une autre fois. Le plus important, là, c'est de rassembler tout le monde. C'est le plus important. Donc là, on retourne dans le monument. Et voilà. Et quand vous avez assez de PG et les objets requis, vous avez le A insuffisant. Je sais plus ce qu'il y avait écrit déjà. C'est écrit active. Donc vous appuyez sur A. Voilà. Et on a une petite cinématique de ce petit bout de chou qui va ouvrir le passage vers le sommet. Et voilà. Waouh, t'es dans mon utile, toi. Goblin. Les amis. C'est la voix de Luffy. Luffy. Bon, nous nous sommes assez reposés, je crois. Il est temps de se remettre en piste. Yo-ho-ho-ho-ho. Oui, d'accord, j'imite mal le rire de Brook. Je sais. Désolée. Alors, on va se dépêcher des berchons. Non, mais j'aime bien ces petits détails d'animation. Pour chaque perso, c'est bien. Content de te voir, tu n'es content de voir que t'as rien. Pardon, le fils. Gabe, voilà, il est là. Où t'étais passé? C'est quoi ce truc? Il a l'air très attaché à Luffy. On est tombé sur lui en chemin et il nous a suivis jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Luffy? Regardez. On m'a dit de lire ce parchemin. Voilà, c'est tout. Si je comprends bien, une voix étrange a proposé de te faire un don, c'est ça? Et on doit passer des épreuves sur les quatre îles pour l'obtenir. Vous, je sais pas. Mais moi, je trouve cette histoire un peu louche. Ah, c'est donc ça, je crois que je vais bien m'amuser. Je me demande c'est quoi ce cadeau. Attendez, je me demande ce que ce cadeau peut bien être. Un trésor, c'est forcément un trésor. Des épreuves, ça tombe bien, j'avais justement besoin d'un peu d'exercice. Je suis curieuse de découvrir le genre de civilisation qui existe. Et quel genre de civilisation existe sur cette île? Enfin, sur ces îles plutôt. C'est un pire. Si Nami et Robin sont partantes, alors vous pouvez compter sur moi à 100%. Enfin,
une nouvelle aventure. Et toi, Lani, tu es partant ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Brooke? Moi, je suivrai la direction des vers membres de ce noble équipage, bien sûr. Je vois. Content de l'apprendre, c'est exactement la même chose pour moi. Ouais, la même chose pour ça. Je voulais pas y aller, mais c'est pas grave. Sa maladie a disparu. Bon, alors là, on ira au petit bateau qu'elle nous ramenait au semi. Voilà, je savais pas qu'il y avait ce petit bateau en semi, mais bon, pourquoi pas, hein. Pour vous, ça me gêne pas. Bon, écoutez-moi, je voulais de vous dire que j'avais renforcé la sécurité à bord de Sony. J'ai verrouillé toutes les portes pour que personne ne puisse entrer tant qu'on est à terre. Les serrures sont indestructibles. Pour les ouvrir, vous devez vous servir de ces clés. Hé, Franky, quand tu dis ces clés, tu veux dire les clés que ce petit monstre est en train de mâchouiller? Exactement, les clés que ce petit monstre est... Hey, arrête! Recrache-les tous! Recrache-les, imbécile! Blo. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. En combinant ça, comme ça, je pourrais... Et voilà! Oh, regardez ça! C'est... Hey, mais qu'est-ce que tu as fait? T'es vraiment un drôle de petit bonhomme, toi. Hey, mais alors, ça veut dire qu'on ne pourra pas profiter pleinement du Sony tant qu'on n'aura pas remplacé ses clés. Tu as tout compris. C'est bête. Il n'y a vraiment pas de rire, c'est comme débile, Cyborg Living. Bah, c'est pas grave. Aidez-moi plutôt à trouver un nom à ce petit gars. Comment ça, c'est pas grave? La situation est dramatique, au contraire. Que vous pensez de Willy le vagabond? C'est un super cool, c'est un nom super cool, non? N'importe quoi. Hé, ces sourcils sont vraiment mignons. On devrait l'appeler Sourcil. Ouais, c'est comme le chameau qui avait des sourcils et on l'appelait Cil. Oui, c'est vraiment des îles de ration d'urgence numéro 2. C'est liré comme un gant. Attends un peu. Numéro 2, tu me considères toujours comme la ration d'urgence numéro 1? Aucun de ces noms ne lui plaît. Tu n'aurais pas une idée, Luffy? Eh ben, il est tout le temps Gab. Vous avez remarqué? On devrait l'appeler Gabri. Gabri! Gabri! Pardon, ça lui plaît. Tu n'es pas allé chercher bien loin, mais ce nom a l'air de lui plaire, pourquoi pas? Et bah toi avec ton sourcil, t'es sûr que t'as été loin aussi, hein? Désolé de casser l'ambiance, mais vous avez l'air d'oublier les problèmes de ces des clés. Hé, Oussa, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein? Oh, tu vas voir. Tu vas adorer. Je l'ai mis dans le coffre auprès de mon atelier, alors va jeter un coup d'œil. Donc voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode. La prochaine fois, nous explorerons l'île. Voilà, nous allons explorer l'île si j'arrive à avoir... Je peux pas avoir... Voilà, l'île qui est là-bas, nous irons la voir. Voilà. Nous irons l'explorer. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser là. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!